J'ai des tas de choses à vous raconter à propos de l'importance des mots, mais surtout de l'importance, d'une certaine façon, de se méfier des mots. Oui, méfier des mots. Vous allez dire de quoi s'agit-il? Eh bien, vous allez voir. De toutes ces formulations officielles, je trouve ça dans un ouvrage qui vient de paraître, de Arnaud Desjardins, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui écrit cet ouvrage comme une synthèse, un peu, je dirais, une forme de testament, si vous voulez, ou du moins, il reprend dans ses ouvrages passés certains thèmes qu'il a déjà abordés, puis il revient en se disant « ceux-ci sont obligatoires », si je peux dire. C'est des réflexions sur ces thèmes-là sont obligatoires. Bon, alors ça s'intitule « Bienvenue sur la voie ». Et méfiez-vous des mots, je trouve ça très étonnant, parce que c'est une des grandes difficultés qu'on a, non seulement dans le monde des pratiques spirituelles dont il va parler ici, mais aussi dans la vie de tous les jours, finalement. Parfois, on accorde beaucoup plus d'importance aux mots qu'au concept, qu'à la réalité, pour ainsi dire. Comme par exemple, dans certains cas, qu'on n'accorde plus d'importance aux métaphores qu'à la réalité, voyez-vous? Bien. Alors, méfiez-vous des mots, dit-il, notamment ceux qui vous paraissent importants et qui ont un écho en vous. Les mots ne seront jamais l'expérience. Et c'est une vérité à laquelle il faut reconnaître que l'Orient a plus insisté que l'Occident. Il explique, bon, d'abord il parle de thèmes, il dit concernant les possibilités offertes qui sont accessibles, alors il les énumère, il y a par exemple certains thèmes incarnés, l'amour, la bonté, la compassion, être heureux quelles que soient les circonstances, ne plus être le jouet des événements, sentir que l'extérieur ne peut plus perturber notre vie intérieure, vivre dans un état de paix, de bien-être, de joie, de confiance, de détente, échapper, c'est un beau programme ça, hein? Échapper à la peur et à l'agressivité, goûter une expérience intime, une réalisation qui n'est plus de l'ordre de la croyance, mais de la vérification personnelle dans cette existence. Passer de l'ignorance à la connaissance, de la somnolence à l'éveil, de l'inconscience à la conscience, hein? On va passer une bonne partie de la saison là-dessus, j'ai bien l'impression, hein? De la mécanicité des réactions à la vigilance, de l'aveuglement et de l'illusion à la claire vision. Voir en toute certitude et donc mener une vie gérée par la lucidité et la compassion. Se libérer d'une fascination hypnotique pour les mirages. Vivre dans au sens métaphorique bien sûr, vivre dans la transparence vis-à-vis de nous-mêmes. Autrement dit, ne plus se mentir, ne plus avoir peur de ce qui est en nous. Tout ce qu'on refoule habituellement et qui agit à notre insu comme quoi, comme la honte, la culpabilité ou la haine. Goûter un état de liberté, c'est-à-dire ne plus se sentir attaché et asservi, notamment par rapport à l'argent, à l'amour, au sexe, au pouvoir, au besoin d'être reconnu. Aller au plus profond de soi pour y découvrir sa véritable nature, son être essentiel au-delà du temps, de l'espace, de la causalité, de la corruption et de la mort. C'est étonnant, hein? Voici la liste, en tous les cas, qu'il a faite. Il dit sur ses idées générales, confirmées de génération en génération depuis tant de siècles, il peut se faire un certain consensus au départ. Bon. Reste à découvrir comment on y parvient. Alors, il dit, en particulier, les divergences des convictions éclatent entre les tenants des voies religieuses, dites « dualistes », et les voies métaphysiques, non-dualistes, védantiques et puis bouddhistes. Bon, mais bien sûr, et bien souvent, il s'agit d'un manque total d'accord quant au contenu des termes. Et alors là, il va nous donner un certain nombre d'exemples qui nous permettent d'éclairer un peu tout cela. Il dit ici, les mots n'ont pas le même sens, d'abord, selon la perspective adoptée et le contexte dans lequel ils s'insèrent. Le malentendu peut donc dans ce cas-là être complet. Je me souviens d'un conflit de ce type entre les affirmations d'un psychologue qualifié et celles d'un exposant de la doctrine spirituelle qui avait dit « Pour chacun, le désastre originel
certes inévitable, fut la formation et la structuration de l'ego chez le petit enfant que nous avons été. Cette parole s'insérait dans la ligne de l'effacement du sens de l'ego. L'ego individualisé, limité, séparé, et de la réalisation propre à toutes les approches spirituelles. Mais elle a paru inadmissible, scandaleuse aux oreilles de ce psychologue pour qui le désastre est au contraire, comme pour tout pédiatre, bien sûr, la non-formation de cet ego. Voyez-vous, ego dans deux sens, là. Hein? Qui se situe face à l'autre et susceptible de relation avec cet autre. Il y a là un thème très délicat et il est évident qu'un sage est exactement le contraire d'un enfant autiste. T'sais? Si tu dis le sage c'est défait de son ego, ça veut dire une chose, t'sais? Ça veut dire qu'il est libéré de certaines contraintes que le moi peut imposer, bien sûr. Mais l'enfant autiste, lui, c'est une maladie. Il n'a pas d'ego. Alors, il ne sait plus qui il est. Vous voyez, c'est ça, en gros, là, pour simplifier. Mais c'est bien sûr. J'adore cette phrase. Il y a plein de phrases curieuses de ce genre-là. Il y a là, en effet, un thème très délicat. Il est évident qu'un sage est exactement le contraire d'un enfant autiste. Thank you.
y a le mot également indifférence ou être indifférent. L'importance d'être indifférent au sens de équanime, c'est égal, tu sais, mais pas au sens de la d'être insensible, hein. Alors, il trouve justement, je parle toujours d'Arnaud Desjardins qui nous dit de se méfier des mots, et j'ai trouvé que ce texte est absolument étonnant, et cette pensée de dire méfiez-vous des mots, il le fait particulièrement ici à propos de la spiritualité, la psychologie, mais on pourrait aussi bien le faire aussi à propos de tous les mots qu'on emploie dans le monde économique, dans le monde, dans la société, etc. Puis, très souvent, on n'emploie pas, ou plutôt on emploie des mots qui n'ont pas le même sens pour tout le monde, ça c'est clair, hein. Bon. Alors, dans les exercices spirituels d'Ignace Loyola, par exemple, donc des jésuites, le terme indifférence a une valeur éminemment positive. Et pour en témoigner, il trouve ici un extrait puisé dans les écrits d'Ignace de Loyola, qui dit, par exemple, « Je dois me trouver indifférent ». Ça veut dire « sans aucun attachement désordonné, de sorte que je ne suis pas davantage incliné ni attaché à prendre de la chose envisagée qu'à la laisser, ni davantage à la laisser qu'à la prendre. » Ça, ça peut être très intéressant à vivre comme expérience. Hein? C'est-à-dire, il faut faire attention de ne pas tomber dans l'indifférence, c'est-à-dire dans l'autre version de l'indifférence, c'est-à-dire que tout est pareil, tout est égal, tout est bon. Il dit plus loin, mais que je me tienne au milieu comme au centre d'une balance pour suivre ce que je sentirais être davantage, etc., etc. Bien. Mais alors, dans la terminologie bouddhiste, par exemple, l'indifférence, associée à l'ignorance fondamentale et à l'opacité mentale, faut retenir ces trois-là, ça c'est étonnant, ça, comme vous savez, c'est les trois poisons psychiques du bouddhisme, ça. L'indifférence, l'ignorance fondamentale et l'opacité mentale, l'épaisseur dans la tête, là. Et puis, l'indifférence, dans ce cas-là, est un des trois poisons psychiques avec l'attraction, la répulsion, etc. Bon, combien de mots importants ont ainsi, selon les ouvrages, des significations et surtout des résonances affectives opposées. Il prend le mot « mind », avec lequel, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés parfois parce que je me demande si « mind » veut dire « mental », veut dire « esprit », etc. Pour moi, c'est pas la même chose. Et ces deux mots français, « esprit », « mental », n'ont pas le même sens pour tous les lecteurs non plus, pour les auditeurs dans le cas présent. Une anthropologie simple et classique distingue en l'homme trois niveaux. Le somatique ou physique, puis le psychique, la psyché, l'âme, et le spirituel, pneuma, l'esprit. Trois niveaux. Le mot âme correspond alors au psychisme, dont l'étude est l'objet d'une des sciences humaines, la psychologie. L'esprit est une réalité d'un autre niveau, justifiant l'usage que fait, par exemple, de ce terme la théologie chrétienne et pour toutes les autres traditions, justifiant l'expression « vie spirituelle » de l'esprit, donc. Hein. Mais certaines traductions et leurs commentaires de paroles de sages hindous, par exemple, situent l'âme au niveau ultime et traduisent par ce mot le sanskrit « atman », l'absolu en l'homme, tandis qu'esprit désigne l'ensemble des pensées habituelles, des émotions, des désirs, des craintes, exactement l'inverse. Hein? Pas facile de s'y retrouver. Bon. Il y a aussi l'écran. Alors, ça, le mot écran. Et comme c'est une image que j'ai déjà utilisée à quelques reprises, je pense bien, au cours de ces émissions, c'est Ramana Maharshi, un très grand sage, qui a comparé l'Atman, donc le tréfonds ultime de la conscience, à un écran de cinéma qui accueille tous les films, ne s'appropriant aucune des images successives, toujours inaffectées dans sa propre plénitude non dépendante. Mais si un débutant sur la voie lit « Il faut enlever tous les écrans qui voilent la lumière et la vérité, tout ce qui fait écran », il risque de conclure que les deux sages hindous qui ont prononcé ces phrases-là, peut-être célèbres, ne sont pas d'accord entre eux pour un simple manque de réflexion sur le contenu d'un même terme évoquant deux images.
Je voudrais revenir à l'image de l'écran tout à l'heure parce que c'est tellement fascinant cette explication-là. Souvent, l'énergie qui aurait pu être consacrée à la vie spirituelle ou à la purification intime, au travail sur soi, à la transformation personnelle, est utilisée dans des poursuites purement intellectuelles. Tiens, c'est donc pas la même chose. Eh bien, non, justement. Une existence aurait été consacrée à fouiller les bibliothèques, à préciser des dogmes, des formulations, à
polémiquer. Et que d'énergie dépensée qui aurait pu être affinée, transformée et permettre la croissance intérieure jusqu'à ce que notre psychisme soit suffisamment acéré et subtil pour pouvoir entrer en contact avec une réalité ultime au cœur de nous-mêmes. Alors, il cite un peu plus loin une anecdote racontée par Sri Rajneesh, un personnage très surprenant dont je vous parlerai d'ailleurs un jour ou l'autre, qui raconte ceci. Il dit « J'ai rencontré récemment un mari et une femme. Et le mari m'a dit « Oh, il n'y a aucune difficulté entre mon épouse et moi. Nous sommes un couple très harmonieux. Nous nous partageons la tâche. C'est moi qui prends les grandes décisions et elle qui prend les petites décisions. » « Ah oui, dit Rajneesh, qu'est-ce que c'est que les grandes décisions que vous prenez et les petites que prend votre femme? » Eh bien, moi, dit l'homme, je décide qui doit remplacer George W. Bush à la présidence des États-Unis, comment mettre fin au conflit du Proche-Orient et si les troupes américaines doivent ou non quitter le territoire irakien. Et ma femme décide à quel collège on doit faire inscrire les enfants, où on passera les vacances cet été, quelle machine à laver nous allons acheter. » Et Rajneesh conclut. « Moi, je vous laisse les grandes décisions. Si Dieu est un ou trois, si Dieu est neutre, masculin ou féminin, s'il est à la fois statique et dynamique, s'il est à la fois manifesté et non manifesté, toutes ces grandes décisions, je vous les laisse. Et puis vous, vous me laissez les petites décisions. » C'est-à-dire dans quelle posture vous devez être pour méditer et comment vous y prendre pour observer impartialement vos émotions et vos pensées. Joli, hein? Joli! Hein? Osez, dit Desjardins, osez renoncer à toutes vos certitudes à 99%, seules les certitudes à 100% ont une valeur. Osez renoncer à toutes les phrases, toutes les paroles et tous les mots dont vous n'avez pas de l'expérience. Et si vous ne vous intéressez plus qu'à la vérité avec un grand V, à la réalisation avec un grand R, vous verrez qu'il ne peut y avoir de contraction entre les mots, les formules, les dogmes. La paix du cœur, la paix qui surpasse tout entendement, si différente de la paix intime et profonde, d'un soufi musulman, ça s'appelle salam dans ce cas-là, ou de celle d'un hindou, ça s'appelle shanti. Et la joie qui demeure, la béatitude d'un hindou, la sérénité d'un maître tibétain, peuvent-elles être contradictoires? Ou bien il s'agit d'un bonheur qui va et qui vient, ou bien d'une joie qui ne vacille plus, ou bien il s'agit d'une paix que des circonstances adverses peuvent remettre en cause, ou bien c'est une paix que les mêmes circonstances ne peuvent plus affecter. Où peut-il y avoir conflit? Où peut-il y avoir contradiction? Il dit plus loin, si vous suivez un enseignement de sagesse, si vous vous considérez comme chrétien, musulman, hindou, bouddhiste, etc., ce qui est important n'est pas l'étiquette que vous vous attribuez, c'est la manière dont cet enseignement, en vous et à travers vous, prouve qu'il est vrai. Il dit plus loin, être chrétien, par exemple, c'est aimer ses ennemis, pardonner à ceux qui nous persécutent, prier pour ceux qui nous haïssent. Si je suis en mesure de mettre cet enseignement en pratique, je suis chrétien. Si je ne mets pas cet enseignement en pratique, je ne suis plus chrétien. Et si je rencontre un hindou qui aime ses ennemis, qui bénit ceux qui le maudissent et qui pardonne à ceux qui l'ont offensé, je suis en droit de constater, tiens, voilà un chrétien. Pas mal aussi, hein? Ah, moi, j'ai trouvé ça, ça va droit au cœur, hein. Et si un chrétien, pardon, qui va à la messe tous les dimanches demeure vindicatif, souvent hargneux, jaloux, je suis en droit de dire, mais ce n'est pas un disciple du Christ, hein. Le chrétien, c'est celui qui met en pratique les commandements de Jésus. L'hindou, c'est celui qui vit en conformité avec les Upanishads et le Bhagavad Gita. Le bouddhiste, c'est celui qui incarne le Dhammapada et les autres écritures bouddhistes essentielles. Et il en serait de même pour tous ceux qui se réclament d'une sagesse indépendante des religions reconnues.
Je suis toujours en compagnie, pour ainsi dire, d'Arnaud Desjardins, qui est un homme que j'estime beaucoup, qui va fêter ses 80 ans bientôt, d'ailleurs, hein, et qui vient encore une fois par année au moins au Canada, et qui a écrit un très grand nombre d'ouvrages, qui a aussi réalisé. C'est un réalisateur de films, un cinéaste, en fait, au départ. Si je n'ai qu'à faire le compte, là, c'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20, plus de 20 livres, hein, qui ont paru chez à la Table Ronde et aussi chez Albin Michel. Et dans ce... Et là, c'est j'ose pas dire que c'est son dernier, parce que j'espère que ce ne sera pas son dernier. Ces livres sont tellement intéressants et tellement... ont aidé tellement de gens à s'y retrouver. Mais celui qu'il vient de faire paraître s'intitule « Bienvenue sur la voie » à la Table Ronde, Arnaud Desjardins. Et ce chapitre qui porte sur les mots et qui s'intitule « Méfiez-vous des mots », je trouve ça extrêmement tripatif. Tripatif, voilà. C'est le moins qu'il faut, voilà. Il dit tout le monde, puis ce que je vous raconte maintenant ne vaut pas que pour les enseignements religieux ou spirituels, ça vaut pour tout dans la vie. C'est-à-dire que il faut faire l'expérience des choses, des concepts, et puis et savoir exactement de quoi on parle. Et c'est, voilà. Bref. Alors lui dira. Il parle de rites, il parle de... Bon, il dit, souvenez-vous, l'intelligence habituelle vous perdra toujours. Ou bien vous avez une compréhension extrêmement aiguisée, ou bien il vaut mieux avoir la foi du charbonnier, qui n'hésite pas à faire confiance. Mais la compréhension approximative devient un emprisonnement. Si vous comprenez l'ancien langage symbolique, allégorique, mythique, non d'une manière vivante et convaincante, analogie entre le plan physique et le plan subtil, mais à travers l'intellect ordinaire. Non seulement vous ne serez pas aidé, mais vous serez de plus en plus confus, emprisonné dans les mots qui tuent. La tête seule, la pensée seule n'est pas un instrument de connaissance en matière spirituelle, par exemple. Pour comprendre véritablement, il faut aussi comprendre avec le corps et les sensations, et avec le cœur et le sentiment. Il y a un langage aussi qui s'adresse à l'intellect, bien sûr. On le connaît, c'est celui qu'on utilise au moment où on fait ses études, entre autres choses. Il y a un langage qui parle cependant aussi à l'intelligence du cœur. Ça, c'est le langage des symboles, des paraboles, des mythes. Si on veut interpréter ce langage dans les catégories de l'intellect, voyez-vous,
On ne peut plus s'approcher de la vérité, au contraire. Vous pourrez remarquer aussi bien de symboles, combien d'images sont universelles. Le symbole de l'eau, le symbole du vin, de l'arbre, de la pierre, du roc se retrouvent dans toutes les traditions. Les premières approches de ces symboles, nous les comprenons bien. L'eau donne la vie et nous n'arrosons jamais nos plantes s'il ne pleut jamais. Nos plantes mourront et si nous ne buvons plus, nous mourrons également. D'autre part, l'eau a une fluidité qui lui permet de s'adapter à toutes les circonstances. Il y a un rocher en travers d'un ruisseau. Le ruisseau se sépare en deux, coule le long du rocher, se rejoint de l'autre côté. Il n'est pas nécessaire d'être spécialement hindou, spécialement chrétien pour sentir tout ce que le symbole de l'eau peut contenir. Le feu, nous le savons, il éclaire, il chauffe, il peut aussi détruire, ravager. D'autre part, le feu purifie, nous le savons bien aussi, puisque nous exposons un instrument de chirurgie à la flamme si nous ne voulons pas, nous n'avons pas d'autres moyens de désinfection. Alors autrefois, on utilisait beaucoup ce langage, qui s'entend non seulement avec la tête, mais avec le cœur et avec la sensation, comme point de départ, pour aller au-delà de la pensée, au-delà de l'émotion, au-delà de la sensation jusqu'à la conscience ultime, cette conscience suprême, unique, dont toutes les formes sont des expressions. Tous ces concepts différents vous conduisent vers la même expérience de vie, vers la même réalisation. Et c'est seulement dans cette expérience que tous les êtres communient. Cherchez ce qui est universel. Cherchez ce qui est universel. Ne cherchez pas un amour chrétien, un amour hindou, un amour bouddhiste. Vous resteriez prisonnier d'un égo de chrétien ou de bouddhiste, d'un mental de chrétien ou de bouddhiste. Cherchez simplement l'amour. Et bien sûr, ne restez pas prisonnier de l'enseignement de Swami Prajnanpad, qui était son gourou à lui, d'ailleurs. Donc, le gourou d'Arnaud. Puis, déjà, ce n'est pas prisonnier non plus des livres signés Arnaud Desjardins. C'est lui, là, qui en parle. Bon. Voilà, si ces livres vous aident, tant soit peu, à vous établir dans la paix et dans l'amour de vos ennemis, ces livres ont été utiles. Méfiez-vous toutefois de la lettre qui tue l'esprit. Thank you.
que j'ai pu constater au fil des années, écrit Arnaud Desjardins dans « Bienvenue sur la voie », paru à la table ronde, c'est à quel point tout ceci est plus facile à dire qu'à mettre en pratique. Et combien nous sommes prisonniers des mots, conditionnés par les mots, et combien nous prenons les mots pour les réalités. Du moment que certaines paroles nous plaisent, nous les reprenons à notre compte comme si nous en avions l'expérience et notre pensée réelle, vivante, spontanée, remplacée par la pensée de nos parents, la pensée de nos maîtres, la pensée de ceux qui nous ont admirés dans notre adolescence, la pensée de ceux dont les livres nous ont influencés. Vous bercez votre sommeil avec le mot « éveil », le mental, et si retors qui ne cesse de s'emprisonner avec les pensées, y compris avec la pensée qu'il ne faut pas s'emprisonner avec la pensée. Et ainsi de suite. C'est tordu, hein? C'est pourquoi le critère qui vous sauvera du mental, c'est de vous poser avec intransigeance la question de la vérité. L'ai-je vérifié? Oui ou non? Je le sais, moi? Je le répète, dit-il. L'enseignement comprend donc toujours deux parties. L'une qui vous laisse entrevoir ce que peut être le but, la conscience, le réel, et de toutes ces belles choses, quelle expérience avez-vous aujourd'hui? Premier point. Aujourd'hui, de quelle expérience avez-vous? Et deuxièmement, l'enseignement vous montre aussi comment vous approcher de cette expérience. Mais ce ne sont pas les mots qui remplaceront le vécu réel. Et à propos des moyens qui sont mis à votre disposition, vous devez vous demander aussi, en ai-je réellement l'expérience ou non, etc. Prenez l'exemple qu'il donne un peu plus loin, dit... L'une des idées essentielles à comprendre et à faire sienne par la vérification personnelle, c'est la souffrance totalement acceptée. Ah, c'est intéressant. Pour sortir de la dualité, moi, ma souffrance. Moi qui souffre de souffrir, moi qui juge la souffrance comme douloureuse et qui la condamne et... de manière à ce qu'elle puisse se dissoudre dans la paix. Le fait passe entièrement du côté de la souffrance, non pas en étant emporté par elle, tout en se débattant, mais faire un avec elle, dissipe la souffrance. Ah oui, il faut l'essayer pour le croire. C'est pas d'abord la souffrance, mais celui qui souffre que concerne la pratique du disciple sur la voie. L'ego et le mental ne peuvent pas envisager autre chose que moi sans ma souffrance, et le geste intérieur libérateur s'exprime par la souffrance sans moi. Comment pouvons-nous à ce point être contradictoires sans que cette contradiction nous saute aux yeux? Comment avons-nous pu être aussi éloquents pour expliquer, par exemple, à quelqu'un, il y a quelques jours, peut-être, dans les mots même d'un autre, que la souffrance complètement acceptée n'est pas douloureuse et à ce point refuser une souffrance qui vient nous assaillir maintenant? Ah! Donc, je vous en conjure, dit-il, ne confondez pas les mots et l'expérience. Ensuite, plus loin encore, il parle de... Et ce que dit le maître n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est ce qu'il vous montre ou vous permet de voir. S'il attire votre attention vers quelque chose en disant « regardez, regardez là » et que vous regardez de l'autre côté, vous ne lui facilitez pas la tâche. Un minimum de confiance est nécessaire. Je peux vous dire que quand j'ai rencontré le père de son gourou, Swami Prajnanpad, j'ai été tout à fait dérouté les premiers jours car il ne me proposait rien d'autre que des entretiens, dont des échanges de paroles. Or, j'étais au moins arrivé à cette certitude que l'intellect ne pouvait pas transformer l'être. Après tout, le premier enseignement avec lequel j'ai été en contact, l'enseignement de Gurdjieff, dit que le développement de l'homme peut se faire selon deux lignes. La ligne du savoir... et la ligne de l'être. Et la connaissance, c'est la fusion du savoir et de l'être. Belle définition, hein? Ah, c'est un homme d'expérience qui a beaucoup réfléchi à ces questions-là et qui sait comment il s'est en parlé. On peut accumuler un savoir et devenir docteur en théologie sans avoir la moindre expérience mystique, alors que la religion concerne essentiellement l'être. En quoi est-ce que l'immensité de mon savoir peut me permettre d'aimer mon prochain? Si j'ai dans la profondeur de moi-même des blessures non cicatrisées, induisant des impulsions de haine, de rancune, de jalousie, d'amertume, en quoi est-ce que le savoir quantitatif peut transformer ma qualité d'être ?
Savoir relève de l'intellect, mais être capable de faire quoi que ce soit relève de notre être. De tout ça, j'étais sûr et j'avais conclu, si je veux progresser, ce ne sont pas les mots qui m'aideront, mais les expériences. Eh bien voilà, on va se retrouver dans quelques minutes, après le temps consacré à nos informations, pour une quatrième heure de l'émission Par quatre chemins, au cours de laquelle nous allons aborder une démarche qui va s'étendre tout au long de l'année, comme je vous l'ai dit au cours de la première heure, et qui porte le titre À la recherche du dieu d'Einstein. Mais ce sera quand même des émissions qui seront très éclatées, qui vont aller un peu dans tous les sens, mais toujours avec cette colonne vertébrale, si j'ose dire, qui va nous permettre de revenir à l'essentiel, l'expérience d'Einstein. À tout de suite.